Arnaud, l'équipe poursuit sa très belle série, puisque vous êtes sur 5 victoires sur les 6 derniers matchs, 4 victoires de suite, une quatrième clean sheet, puisque vous avez aussi permis ce soir à l'équipe, vous avez joué votre rôle en permettant à l'équipe de ne pas encaisser de but. Ouais, bon, on est là pour ça. C'était une bonne chose, parce que c'est vrai qu'on aurait pu faire le break, on ne l'a pas fait. Dans ces situations-là, c'est toujours dangereux de ne pas faire le break. On n'est jamais à l'abri d'un ballon dévié, d'une péripétie qui fait qu'on se régalise. Bon, on a été solide, voilà, ça fait un clean sheet, on enchaîne. On a senti de la fatigue, mais on a surtout senti justement ce qui plane un peu en ce moment, c'est-à-dire un supplément d'âme, un état d'esprit. Je pense que les joueurs se sont dépouillés, peut-être des joueurs plus esthètes, plus techniciens qui se sont dépouillés. C'est beau de voir ça. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a fait ce résultat, qu'on a gardé notre cage inviolée. On sent vachement de plaisir depuis quelques matchs. Ouais, vous savez, quand il y a les résultats, forcément on dégage du plaisir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on dégage du plaisir dans l'effort, dans le combat. Et puis aussi dans notre façon de jouer, puisque les matchs ne sont pas linéaires. On fait des matchs où des fois on a des bonnes périodes, des fois comme ce soir on n'avait pas la balle, il a fallu qu'on bataille, et on l'a fait, on a su aussi à des moments mettre le pied sur le ballon, donc voilà, c'est tout ça qui, c'est vrai, je pense que tout ce mélange nous procure beaucoup de plaisir. Vous allez affronter Tours à domicile avec un duel à distance avec Brest pour essayer d'arracher cette quatrième place. En plus, Châteauroux a encore quelque chose à espérer. Du coup, ça promet un match intense entre les deux. Du coup, voilà, cette quatrième place, elle n'est plus jamais accessible. Oui, pour répondre à votre question, elle est accessible. On va tout faire pour. Je pense que déjà, il faut se concentrer sur notre match. Bon, je suis personne, je veux pas lancer un appel, mais voilà, si on peut voir un stade, une ville derrière son club, on va dire, pour vivre une grande soirée, ça serait bien qu'il y ait le maximum de personnes. Maintenant, nous, si on peut être emmené, tant mieux, mais on va continuer à essayer de faire durer cette série. On va essayer de continuer à prendre du plaisir, comme vous l'avez dit, et puis surtout livrer un dernier combat sur le championnat pur des 38 matchs, et avec une victoire, on sait qu'on fera le barrage. Après, voilà, les transistors nous diront s'il y aura encore une meilleure nouvelle qui nous enlèvera un match et nous offrera un petit peu de repos. Donc c'est ça qui est important. J'espère qu'il y aura un vrai engouement. Et en tout cas, nous, et je pense que, je ne sais pas si voilà, les gens l'ont vu ce soir, mais en tout cas, on a travaillé toute la saison et on travaille dur sur le terrain. Ce soir, on s'est dépouillé. Donc voilà, il faut qu'on recharge bien les batteries pour emballer ce match et faire quelque chose d'exceptionnel contre Tours. Et après, je vous dis, en espérant des bonnes surprises.